Bonsoir, bonjour, salam, shalom alaykoum mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis joli aujourd'hui. Hein. Écoutez les gars, depuis déjà 12 mois, j'ai reçu des appels depuis soi-disant la Belgique avec le numéro de Belge qui peut vous appeler n'importe quel moment. Et là, la dernière fois, j'ai reçu même un appel d'Autriche. Bref, on vous arnaque, c'est mon opinion subjective. Une fois, j'ai répondu. Et c'était une fille qui m'a dit, oui, bonjour, monsieur, blablabla. Malgré que vous voyez un numéro belge, mais nous ne sommes pas en Belgique, nous sommes à Lille et nous vous proposons d'investir dans la crypto-monnaie pour gagner de l'argent. Je dis, écoutez, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Déjà, mon numéro est sur la liste rouge, alors allez vous faire voir ailleurs. Bref, je vous explique, les gars. La situation actuellement économique partout dans le monde, surtout en Europe et en France, est difficile. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'escrocs. Pourquoi? Tout simplement, déjà chez moi au travail, dès le 1er juillet, 52 personnes sur 160 seront licenciées, licenciement économique. Les gens sont dans la merde. Je parle même pas des rémistes. Et voilà, il y a certaines personnes qui peuvent vous proposer, écoutez, je peux vous aider. Gagner de l'argent, mais vous savez quoi? Si quelqu'un sait vraiment comment faire du fric, il ne partage pas ses idées. Il n'est pas con pour créer une concurrence volontaire. Vous voyez de quoi je parle? Tout simplement, il vous propose d'investir. Il appelle un pauvre érémiste. Ils appellent personne par personne. Ils appellent un pauvre érémiste en disant, écoute, t'as touché ton 505 euros. L'autre dit oui. Tu veux gagner dans une semaine 3000 balles? Et partir au Miami, en vacances, l'autre a dit oui, on voit nos de l'argent avec des papiers officiels, tout ça, machin, où vous signez n'importe quoi, bof, pauvre rémiste, on voit son fric, et dans 2 semaines, il n'aura pas son argent, même dans un mois. Pendant un mois, il passera pas ses vacances au Miami, il passera devant la porte d'une assistante sociale et devant les portes de différents restos du cœur. Voilà. C'est la même chose, les gars, que je vous propose maintenant un truc. Demain, on va jouer tous ensemble au Canté. Je vous donne les numéros et vous payez. C'est à vous de payer. Et si on gagne, on partage. Mais si on ne gagne pas, on ne partage pas. Voilà. Et je ne vous dois rien parce que j'ai participé, je vais vous donner les numéros. Si vous voulez vraiment gagner quelques centimes, jouez sur Bazir gagnant, placez 1,50€, 1,50€. Ça sera plus rentable que d'investir sur n'importe quoi auprès de n'importe qui, toute votre Afrique est restée après devant la porte d'une institution sociale et faire la queue pour la soupe ou pour un bol de soupe populaire. Voilà. Et là, après mon baratin, je vous laisse le numéro de téléphone qui peuvent et peut-être qui ont déjà vous téléphoné. Ne répondez pas. Et ne vous faites pas bananer par cette connerie-là. Oui, il y a quelqu'un qui est tombé. Voilà les gars, prenez soin de vous et faites attention. Mais sinon, pour le canté, c'est toujours valable. Je vous donne le numéro et vous payez. Et si on gagne, partage. À la prochaine.